Les portes du Mistral vont-elles rouvrir? Plus de deux mois après la fin de Plus belle la vie, France 3 cherche son programme remplaçant. Qui pourra succéder au feuilleton qui a occupé la case de 20h20 pendant près de 18 ans? Après les tentatives vaines de cuisine ouverte et les 100 lieux qu'il faut voir, si est-ce Jean-Luc Lemoyne qui s'y colle avec le programme samedi d'Annerire. Un festival de changement qui en dit long sur les difficultés de la chaîne à remplacer Plus belle la vie, que le public espère retrouver? Plus de 3000 personnes, acteurs, techniciens, auteurs, se sont réunis pour faire renaître la fiction de ses cendres, indique Le Parisien, ce lundi 30 janvier. Pour l'heure, rien n'est encore signé, mais en garde Florence Demey, porte-parole du collectif, mais on travaille dur. Si le Mistral réussit à rouvrir ses portes, ce sera grâce à une société coopérative d'intérêt collectif, SIC, qui permettrait d'intégrer des investisseurs extérieurs. Supérieur à Laetitia Milo, Fabienne Cara, Ambroise Michel. Retour sur les stars de Plus belle la vie de retour. En l'état, le projet n'est pas viable, mais encore faut-il que Nguyen, le propriétaire de la marque, cède sa licence au collectif. En l'état, le projet n'est pas viable économiquement, indique à nos confrères la société. Et pour cause, cette série coûte quand même 24 à 27 millions d'euros par an, indique Florence Demey, qui a joué le personnage de Bianca Soubéran. Précisant que le collectif a bien écouté ce qui a été dit lors de l'entretien avec la société de production, la comédienne multiplie les rendez-vous pour trouver des financements. Ministère de la Culture, mairie de Marseille, entreprise locale. Tout le monde est sollicité, indiquent nos confrères. Le collectif précise, on a évidemment aussi regardé du côté de l'appel d'offres de M6, qui cherche une quotidienne. Plus belle la vie sur M6? La rumeur a pourtant déjà été démentie par de nombreux comédiens au cours de l'année 2022. Nous avons tous entendu cette rumeur. Je n'y crois pas. J'ai lu que j'avais laissé une porte ouverte, mais on ne m'a jamais rien demandé, indiquait Rebecca Hempton dans les colonnes de Téléstar en août 2022. À moins que le collectif n'ait prochainement une bonne nouvelle pour les fans de PBLV, affaire à suivre. Crédit photo, Norbert Scanella Panoramique.